Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la grande première de Objectif Gembourg. Je vais vous expliquer le principe de cette nouvelle émission Objectif Gembourg. Nous allons tenter, d'accord, de vous apprendre qu'il existe un mélange entre le djembé et le tambour. Alors le tambour, vous tapotez uniquement comme ça. Mais le djembé, c'est encore tout autre chose. Le djembé est inspiré des codes du tambour. Mais le djembé, vous êtes obligé de tenter de faire des rythmes avec cela. Un peu comme ça. Genre, vous faites des bruits à peu près différents avec le djembé. Vous tapotez, vous tapotez. Ensuite, vous allez t'emmener à faire différentes marques de djembé. Vous devez à peu près taper dans tous les sens à un moment donné parce que c'est le principe du djembé, d'accord. Je n'ai pas de djembé, je n'ai pas de tambour, mais j'ai un ballon qui peut faire l'affaire, un ballon de basket qui fonctionne sous forme de tambour. Je peux le faire sous forme de tambour, il faudra que je le retrouve. Là, pour ce premier épisode, on ne pourra pas faire de vrai cours, mais je vais vous expliquer ce mélange, je vais vous expliquer les origines du mélange. En fait, vu que ces deux-là sont d'actualité, le djembé est d'actualité, le tambour aussi. Le djembé et le tambour, selon scientifiquement, on a découvert que en fait c'était deux instruments, d'accord, deux instruments qui font partie de ceux qui ont les mêmes codes. En fait, ces deux instruments ont les mêmes codes, elles ne sont pas spécifiques, ce sont limite des jumeaux, en fait, des jumelles. Et vu que ça se ressemble autant, on a décidé de les associer pour en faire un tout premier mélange d'instruments, le tambour et le djembé. Mais il fallait aussi donner un nom. On l'a appelé le djembourg. Et ce mélange, c'est moi qui l'ai créé. D'accord ? C'est moi qui l'ai créé, ce mélange. Pour le prouver, il faut faire un mix entre ces deux instruments. Peut-être que dans ce cours que je vais vous offrir, on sera peut-être amené un jour à coopérer pour faire un mix, pour voir que ces deux instruments qui ne sont pas différents, qui sont très ressemblants. Le djembé, il le porte très craché du tambour. C'est son fils, en fait. C'est le fils du tambour. Le tambour, c'est son père. Voilà. Pour faire simple. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. D'accord. On est en France ici. Et on peut avoir le droit de tester des trucs tout en étant dans la loi. C'est ce que j'ai fait. Avec mes hommes et mon équipe. D'accord. On a testé un mélange qui serait, je pense, important dans l'avenir de la culture musicale française, dans l'avenir de la France. On imagine en 2026, on sera peut-être amené à ce que le djembé n'existe plus et que le tambour soit de nouveau un seul et unique instrument. Et que ce mélange existe encore, mais sous forme d'un tambour classique. Et qu'en fait on fasse arrêter le djembé pour qu'on le fasse intégrer dedans, pour qu'on intègre les codes dedans. Et ça fera plus de bruit
dans le centre-ville. Les gens seront plus coopératifs. Les gens seront plus heureux. Vous comprenez? Heureux, content. C'est un tambour africain que vous voyez devant vous, sur votre écran, d'accord? Ça, par contre, c'est un tambour à cordes. Ça ressemble à du djembé. C'est dedans qu'on intégrera ces codes. D'accord? C'est dedans. Pour commencer, on va s'entraîner maintenant avec un pantalon. D'accord? Avec un pantalon. Imaginons. D'accord? Imaginons. Imaginons ceci. Imaginons ceci. Là, vous tapez bien fort. C'est comme si vous mettiez des claques. D'accord? Mais maintenant, on va le faire plus sérieusement. Avec un pantalon, vous n'entendrez pas beaucoup de bruit. C'est pour ça que pour le deuxième cours, je prendrai mon ballon de basket. Avec lequel je faisais mes clips également. C'est parti, dans un instant. 1, 2, 3, go! Là, en fait, je commence par tout doucement, comme ça. Donc, assez basique. Et puis ensuite, on commence par faire ceci. Là, on commence à accélérer un peu la cadence rythmique. Ensuite, là, on fait ce qu'on appelle la main forte. La main forte, c'est ceci. Faut que la main droite soit en bas et la main gauche soit en haut. Vers le haut du genou. Le haut du genou. Pas loin du bas de la jambe. Pour la main gauche. Et la main droite doit rester loin du haut. Elle doit être à côté. Elle doit être à droite de la main gauche et la main gauche doit être à gauche de la main droite. Vous mettez la main droite ici, pas là, mais ici. En fait, devant votre t-shirt. 1, 2, 3, c'est parti. Vous voyez que là, il n'y a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes sensations, il n'y a pas les mêmes finitions, il n'y a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes sensations, il n'y a pas les mêmes bruits. On refait? Ok. Ça, c'était le point de terminus. Maintenant, nous allons, à partir de maintenant, on va faire que une main par une main. Maintenant, on va faire que la main gauche. Ok, la main gauche, vous remarquerez que la main gauche fait plus de bruit car elle est située en haut du bas.
La main, elle pourrait totalement descendre comme un toboggan. Au départ, il est en haut, après, il descend. Et là, on n'entendra pas. On entendra, mais pas beaucoup. Alors que là, là, ça fouette. Passons à la main droite maintenant. Vous verrez que c'est pas le même rythme. Sur la main droite, elle est plus mou. Le bruit est plus mou. Contrairement à la main gauche où c'est assez fouettant. Voilà, c'est claquant. La main droite, elle est plus mou. Parce que la jambe droite est toujours plus molle. Du coup, ça joue aussi sur le bruit. Ça dépend là où vous placez votre main droite. Si vous le placez au même endroit que la main gauche, c'est-à-dire le haut du bas, le haut du toboggan, quoi, ça va rendre le même bruit, regardez. Maintenant, écoutez, et je vais vous faire un mix entre ces deux mouvements qu'on vient de voir ensemble. C'est parti. Là, vous avez vu que ma main droite, vous avez écouté la sensation. La main droite, elle s'est reculée. La main gauche, elle s'est un peu plus avancée. Maintenant, on va faire le bas. Là, c'est moins impressionnant vers le bas. C'est plus le haut qui est impressionnant. Merci d'avoir été avec nous pour ce tout premier cours de Objectif Jambour. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. À très bientôt et bonne continuation à vous.